Hello à tous, ce soir en direct de la Californie et sous le rire d'Irène, nous recevons justement Irène, nous avons un retour d'un dossier d'Irène en deux parties. Donc ce soir c'est la première partie, un dossier sur Marie Curie. A priori il y a plein de choses à dire sur Marie Curie, ça va nous occuper de deux dossiers. Et donc pour commencer, c'est cette semaine et nous sommes le 27 octobre 2015 et c'est l'épisode 235. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue, on reprend les grandes émissions avec plein de problèmes ce soir, mais on espère qu'on enregistre, enfin on espère, j'ai plutôt de la confiance qu'on enregistre cette fois-ci. Alors, nous sommes donc l'épisode 235, on commence par une propriété du 235, c'est le nombre d'arbres qu'on peut faire avec 11 nœuds. Voilà, voilà. Sur ce, un petit tour de table. Depuis Paris, est-ce qu'on a encore Topo ou est-ce qu'il s'est barré aux propriétés mathématiques ? Non, moi, les nombres d'arbres à 11 nœuds, c'est des arbres phylogénétiques, tout va bien. Tout va bien, ok. Nous avons aussi, donc, depuis Paris, en fait, c'est tout, moi-même. Depuis Nice et de retour d'Asie, nous avons Julie. Salut, Julie. Salut. C'était bien Hong Kong ? Ah, c'était top. Depuis Santa Barbara, nous avons Irène. Salut, Irène. Bonsoir. Et depuis Baltimore, Johan. Salut, Johan. Salut. Et donc, coup de feu. Voilà, beaucoup de feu. Au sommaire de l'émission de ce soir, si on arrive à faire une émission, nous avons donc le dossier d'Irène sur Marie Curie, un pitch sur l'émission de la semaine prochaine qui sera la deuxième partie de Marie Curie, une quote, des plugs, et puis ce sera tout. Et voilà, voilà, je propose de commencer tout de suite avec ton dossier Irène. C'est à toi. D'accord. Alors, je voulais en fait... commencer simplement pour dire pourquoi parler de Marie Curie dans Podcast Science quand il y a tellement d'informations disponibles partout, plein de livres, plein de biographies dans toutes les langues. Elle est connue dans le monde entier. D'ailleurs, je pense que c'est certainement la femme scientifique la plus connue au monde, un peu une sorte d'alter ego d'Einstein, je pense. Et il n'y a probablement plus le moindre petit scoop à se mettre sous la dent sur Marie Curie, je pense. D'abord, en fait, j'ai voulu parce que parfois nos dossiers, ce sont des biographies de grands scientifiques et donc à ce titre, je pense que Marie Curie, pour le moins, elle y a sa place. Un peu comme au Panthéon des grands hommes d'ailleurs, où elle est entre parenthèses la seule femme. Mais aussi parce qu'on pense à Podcast Science, surtout moi d'ailleurs, qu'il faut qu'on soutienne les femmes. Non, c'est pas vrai, tout le monde en fait. Qu'il faut soutenir les femmes qui font ou qui veulent se lancer dans la recherche scientifique et parler de Marie Curie, à mon avis, ça ne peut aller que dans ce sens. À ce titre, je voudrais rappeler ce sondage paru le 16 septembre 2015 qui nous annonce qu'en Europe, 67% des personnes interrogées pensent que les femmes sont moins aptes que les hommes à devenir scientifiques. Mais bon, j'ai tellement de choses à vous dire ce soir que l'on ne va pas parler de féminisme. Il y a du boulot, mais pas ce soir. Je crois que c'est désolé de t'interrompre, c'est plus la seule femme au Panthéon. Non, je crois que c'est toujours la seule, en fait, au Panthéon, oui. La femme d'un scientifique. Voilà, la femme d'un scientifique, c'est ça. Et oui. Je crois que cette année, il y en a deux qui sont rentrées, deux résistantes en mai. Ah, ça c'est super, d'accord. Juste, voilà, bon, c'est pas... Non, mais c'est bien de préciser, ouais. Alors, d'un point de vue strictement personnel, moi, je l'ai toujours admirée et en fait, elle m'a inspirée enfant pour devenir scientifique. Et aussi, je dois dire que je me justifie toujours ici aux États-Unis avec un petit sourire quand je compte en français parce que je sais que même à la fin de sa vie, dont la plus longue s'est passée en France, Marie Curie comptait toujours dans sa langue natale, c'est-à-dire le polonais. Donc, je me justifie comme ça moi-même. Petite démonstration, il faut que tu comptes en polonais maintenant. Oui, mais ça va être plus dur déjà. Alors, je vais tout simplement et bêtement suivre un ordre chronologique pour parler de sa vie. Inutile de vouloir faire compliqué. Et j'espère que même si vous connaissez les grandes lignes de sa vie, vous allez quand même découvrir ce soir qui montrera que c'est une femme non seulement exceptionnelle, mais vraiment incroyablement exceptionnelle, je pense.
Je vais quand même tout de suite faire une petite entourse à ce que je viens de dire et je vais vous énoncer tout de suite quelques éléments descriptifs de son parcours quand même. Première à l'agrégation de physique, première femme docteur en sciences en France, deuxième femme du monde à recevoir un doctorat en physique, première lauréate féminine de la médaille Davy, donc c'est un prix prestigieux en chimie. Premier prix Nobel féminin, première Nobelisée à avoir reçu 2 prix Nobel, ils ne sont que 4 au monde, première femme professeure à l'ENS, première femme à avoir enseigné à la Sorbonne, enfin bref, c'est une légende quoi. C'était une femme avant tout aussi, c'était une épouse très aimante, très amoureuse, une maman très attentive, c'était une femme timide, têtue, secrète, dépressive, débrouillarde, qui aimait beaucoup cultiver les roses et qui était très sportive, donc ça je l'ai déjà dit je crois. Non, elle était aussi très sportive, ouais. C'était une excellente... Elle faisait quoi comme sport ? Eh bien, elle adorait bon, marcher, mais elle faisait beaucoup de natation et de vélo aussi. Tiens. Oui, c'était une sœur très dévouée, on le verra. Par contre, c'était une très mauvaise cuisinière, mais c'était une excellente couturière. On me disait beaucoup de bien de ses recettes au radium. Moi, je oui, 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 on va en parler aussi. Oui, 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 c'est vrai. Évidemment une femme très très courageuse, on le verra à maintes reprises, qui savait très bien braver la morale bourgeoise et qui a affronté des campagnes de dénigrement à faire vraiment honte à la France de nos jours. Mais revenons au début. Alors, elle est née le 7 novembre. Le 7 novembre 1867 en Pologne. Elle s'appelait Maria Saloméa, de prénom de ses grands-mères. Elle a 3 sœurs et 1 frère plus âgé, et on verra que la fratrie, elle restera toujours très très liée, ce qui l'a beaucoup aidée dans sa vie. Ses parents faisaient partie de ce qu'on peut décrire comme la petite noblesse des Argentés. Plus important, c'était des intellectuels, très très intellectuels. Sa maman, qui était une femme très indépendante dans l'âme, était directrice d'école. C'était une femme dont le statut de femme mariée lui pesait, même si elle aimait beaucoup son mari. Il y avait une dépendance qui lui était un peu lourde. Son mari, lui, était d'origine russe et il enseignait les maths et la physique, à l'université de Varsovie. Alors, à l'époque, la Pologne, c'est un pays qui est vraiment ça fait pratiquement partie de la Russie. En fait, c'est un pays qui est vraiment très opprimé par la Russie, en fait. Et c'est le temps où il y a une... politiquement, c'est très difficile. La famille, d'ailleurs, est obligée de déménager... parce que le père a perdu son emploi et il est obligé d'aller enseigner dans un lycée en fait. Et à cette époque, la mère de Marie est obligée de s'arrêter de travailler. Et tout ça, ça lui pèse beaucoup à sa mère. La langue officielle à l'époque, c'était le russe en Pologne. Mais à la maison, on parlait polonais en fait. Et les parents, encore une fois, très très intellectuels, prenaient vraiment soin de leurs enfants. Ils enseignaient la poésie beaucoup. Le petit nom de Marie Curie à l'époque, c'était Mania. Et Mania, c'est une petite fille qui apprend vite, parfois très vite, parfois même trop vite au gré de ses parents, qui voudraient parfois la voir jouer plutôt que d'apprendre à lire et à écrire. Elle a 4 ans à l'époque environ et le papa entraîne aussi ses enfants à des séances d'exercices de gymnastique tous les soirs. Donc on s'occupe beaucoup des enfants et il y a beaucoup de rigueur dans la famille. Le samedi, on étudie des œuvres littéraires interdites par le gouvernement tsariste. Et donc, dans la famille, on apprend très vite à se cacher. Donc, c'est vrai à l'intérieur de la famille, mais c'est vrai aussi à l'école. Le gouvernement russe, à l'époque, ne tolère pas un mot de polonais. Mais dans les écoles, on ruse. On ruse beaucoup et on apprend aux enfants l'histoire de la Pologne, la littérature, le tout dans la langue verniculaire. Donc. Et la dissimulation devient une seconde nature. Et honnêtement, je me demande quel en sera l'impact sur Marie, mais je ne saurais pas dire. Marie perd une de ses sœurs qui décède à 14 ans du typhus. On est à l'époque, donc en 1876, et Marie a 9 ans. Et sa mère est aussi atteinte de la tuberculose et malheureusement, elle décédera 2 ans plus tard. Les enfants
auront finalement peu de souvenirs d'elle, car elle aura passé beaucoup de temps dans des cures, parfois très loin, en Autriche et à Nice, par exemple. Et Marie Curie, à cette époque, elle est très triste. Elle est première de sa classe, elle est largement en avance sur les autres les élèves, mais déjà, la mort de sa maman, ça la plonge dans une dépression. Alors, son père décide de l'envoyer dans un lycée en internat à Cracovie. Et l'expérience est une réussite. Le prof de physique, notamment, y est excellent. Ainsi d'ailleurs qu'un prof de danse. Et il se trouve que Mania adore danser. C'est une anecdote, mais elle était à l'époque, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup danser, Marie Curie. On raconte aussi qu'il y avait dans le village où elle vivait à l'époque, il y avait une statue qui avait été élevée par le gouvernement russe. Et elle ne ratait jamais une occasion, elle est crachée dessus en fait avec ses copines. Donc un peu rebelle quand même. Et l'été, elle retrouvait sa famille et à ce moment-là, la vie redevenait plus gaie. Elle aimait aussi beaucoup monter à cheval, pêcher des écrevisses et jouer. Elle était très joueuse. Alors fin 1883, c'est la fin de ses études, elle n'a pas tout à fait 16 ans et la faculté est interdite aux femmes, aux filles, aux femmes, tout ce qui est féminin. Mania montre à nouveau malheureusement de graves signes de dépression, elle pleure beaucoup et elle se renferme sur elle-même, elle perd son appétit. Donc son père va essayer de l'envoyer à la campagne chez un oncle. Et là, c'est encore une fois une grande réussite. L'ambiance y est absolument merveilleuse. Son oncle joue du violon. Elle a un cousin qu'elle aime beaucoup qui étudie la chimie. Et Mania, elle rejoint bien vite en fait une bande de jeunes gens qui ne songent qu'à bien profiter de la vie. Donc ça aussi, c'est un aspect encore une fois qu'on connaît très peu de Marie Curie. Mais en fait, à cette époque-là, elle fréquente les bals, elle fait des équipes en traîneau, elle adore danser l'oberec, la valse et la mazurka. Et il paraît même que les jeunes hommes devaient faire la queue pour danser avec elle, en fait. Donc, c'est une image de Marie qu'on ne connaît pas tellement parce que c'est vrai que sur toutes les photos que l'on a de Marie, elle est tellement sérieuse qu'on a du mal à l'imaginer aussi joyeuse et légère. Donc c'est la fête, c'est une année de liesse. Mais là, ce qui ne durera pas, c'est que pour un an. Et à la fin de l'été 1884, elle rentre à Varsovie, elle rentre chez elle, chez son papa, à la maison. Donc on l'a vu. Est-ce qu'il y a des petites traces des photos? Enfin, je ne sais pas s'il y avait énormément de photos à cette époque-là pour voir justement à quoi ça ressemblait. Des vide-balles, et surtout si on voyait Marie Curie jeune. Alors, j'ai vu quelques photos d'elle jeune, mais non, je ne l'ai pas vue en train de danser, de virevolter. Ça, je n'ai pas vu, non, malheureusement. Et donc ça, c'est seulement ses écrits. Enfin, toutes ces histoires, c'est tiré d'une autobiographie. D'accord, ok. Alors, j'en ai mis une dans la chatroom où elle est, qui est apparemment marquée sur Internet comme étant avant qu'elle arrive à Paris. Avec à peu près une taille de, je décris, hein, de 10 cm de diamètre. Les corsets de l'époque, c'était quand même assez terrible. Ouais. Alors, on a vraiment beaucoup, beaucoup de sources, heureusement, pour connaître sa vie. Elle a tenu ses carnets, ses mémoires. Sa fille aussi, Irène, a écrit une biographie sur sa maman. Donc, on a beaucoup de sources hein, quand même, beaucoup de sources pour connaître sa vie en détail. Alors donc, elle rentre chez elle et donc les filles sont toujours interdites d'université, c'est la loi. Son frère, en attendant, fait lui des études de médecine. Et les trois sœurs, elles décident qu'elles vont rejoindre une université clandestine. Donc, on y donne des cours clandestins. Et en même temps, elles décident aussi de donner des cours particuliers pour aider leur père financièrement. Donc, voilà comment la vie s'organise. Elles donnent des cours, mais en même temps, elles prennent des cours qui sont interdits. Mais en fait, elles sont quand même très ambitieuses. Et deux d'entre elles en particulier, Maria et sa sœur Bronia. Alors, elles ont d'autres aspirations et elles élaborent leur plan. Bronia partira en premier à Paris pour suivre la fac de médecine. Et Marie, pendant ce temps, l'aidera financièrement.
Et puis ensuite, une fois que Borgnia aura fini, ce sera elle, Borgnia, qui aidera Marie. Et on va le voir, en fait, elles vont y arriver, en fait. Donc à l'époque, Maria Magna, parle, elle parle et écrit couramment le polonais, le russe, l'allemand, le français et l'anglais. Elle se fait alors engager donc, comme gouvernante dans la famille d'un avocat de Varsovie. Et elle continue en même temps ses cours clandestins. Alors cette famille, elle ne l'aime pas beaucoup en fait, cette famille où elle travaille. Elle découvre un aspect du monde qu'elle n'aime pas du tout, un monde des riches qui sont parfois très hypocrites. Et elle écrira beaucoup sur cette expérience qui lui aura fait connaître l'espèce humaine, dira-t-elle. Elle finira d'ailleurs par démissionner. Et puis, elle va trouver rapidement une autre famille. Elle va s'engager comme gouvernante. Et dans cette autre famille, elle va y rester 3 ans. Elle vient d'avoir 18 ans. Donc, elle va, encore une fois, elle se réengage dans cette famille. Elle vient d'avoir 18 ans. C'est dur à nouveau de quitter sa famille. En fait, au début, surtout, elle se plaira bien chez cette nouvelle famille. C'est une famille d'industriels, des gens aisés. Mais ils sont cultivés, ils sont curieux, ils sont gentils. Le père est agronome et elle apprend beaucoup en fait. Il a une usine de traitement de betteraves à sucre, ce monsieur. Et il se trouve qu'elle va prendre des cours de chimie avec le chimiste de l'usine. Donc ça lui plaît beaucoup, évidemment, on s'en doute. Mais ce n'est quand même pas suffisant encore pour satisfaire ses besoins intellectuels. Elle a besoin de plus, Marie. Et elle décide, ça fait rigoler quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Elle décide d'enseigner le polonais aux enfants illettrés. Donc on voit déjà apparaître cette nature où elle a besoin d'aider les gens. En fait, elle est très, très soucieuse du monde, en fait, de l'humanité. Et donc c'est bien le polonais qu'elle enseigne. Et à l'époque, c'était vraiment très, très risqué. Elle risque fort de se faire emprisonner et se faire déporter par les autorités russes si elle se fait attraper, en fait. Donc on voit donc aussi un caractère bien trempé. Alors, elle lit énormément, elle lit de tout, mais en même temps, elle se comporte très, très sagement. Elle n'affiche pas un caractère rebelle ou belliqueux. Elle ne parle pas de la condition des femmes, elle va à l'église le dimanche, elle se désespère plus qu'autre chose de ne pas pouvoir travailler pour le peuple et avec le peuple, en fait. C'est surtout ça qui la préoccupe beaucoup et on le verra toute sa vie, ça aurait été un souci pour elle. Mais alors surtout, à cette époque-là, un fait très important, Marie tombe éperdument amoureuse du fils de la famille. C'est un étudiant en mathématiques et lui aussi tombe amoureux d'elle et il projette de se marier. Leur amour est donc réciproque. Malheureusement, il y a un veto imposé par les parents du jeune homme parce qu'elle n'est qu'une employée de maison au final et elle est sans argent. Alors ça fait mal, mais parce qu'elle aimait bien finalement ces gens, elle aimait bien le papa, elle aimait bien cette famille. Mais en fait, ce qui fait le plus de mal à Marie dans cette histoire, c'est que le fiston, lui, se soumet au couperet parental. Il n'ose pas se rebeller et ça lui fait beaucoup de mal à Marie. Elle restera quand même à son poste de gouvernante dans la maison. Et la torture va varier, selon les promesses que le jeune homme lui fait ou ne lui fait plus. Il est très inconstant et pour elle, c'est vraiment très, très dur. Et on est dans quelle année, là ? Donc là, on est environ dans... Elle a dans les 20 ans, hein. D'accord. On est dans les années 1886, quelque chose comme ça. Elle essaie de se soumettre, elle essaie de se dire que tout ce qu'elle veut, c'est retourner vivre tranquillement avec son père. Enfin, c'est difficile. Hein. Finalement, bon, c'est quand même ce qu'elle va faire. Elle va retourner, mais l'expérience l'aura laissée vraiment très amère, voire aigrie en fait. Elle est vraiment très déçue. Ce jeune homme s'appelait Casimir et ça la déprime. Elle se croit, elle dit hein, elle a beaucoup de lettres. Elle a beaucoup écrit à ses sœurs et notamment Borgnia qu'elle se croit nulle en tout. C'est quand même incroyable. Hein. Elle se croit nulle en tout et
et elle considère que ces deux années chez ces gens qui l'ont rejetée comme belle fille, elle les considère comme les pires moments de sa vie. Elle qui aura quand même vu auparavant sa mère et sa sœur mourir, donc c'est difficile. Elle souffre beaucoup, mais en fait, elle va quand même pas se laisser abattre. Au fond, elle n'est pas décidée à se laisser abattre. On est donc voilà, en fait, Pierre, tu te demandais, on est en 89 et elle retourne à Varsovie et elle reprend ses cours dans cette université interdite. Elle passe son temps avec un autre cousin qui a étudié la chimie et qui a d'ailleurs étudié avec quelqu'un très connu, un chimiste très connu qui est Mendeleïev. Ce cousin, lui, va ouvrir son labo de recherche en chimie et il accueillera Marie. Marie pourra aller dans le labo et étudier la chimie avec lui. C'est vraiment ses premières expériences de chimie où elle fait un peu de recherche, en fait, vraiment. En même temps, elle se remet à avoir une vie sociale plus normale, j'allais dire. On voit qu'elle retourne à des bals, elle répond à des invitations, de soirées. Donc, elle va mieux. Et ses lettres, les lettres de sa sœur, Bronia, donc, qui est à Paris et qui finit ses études et qui va bientôt se marier, montrent des oscillations, je dirais. Beaucoup d'oscillations entre la joie et la tristesse, en fait. Marie, alors ça, c'est vraiment mon interprétation personnelle. Je pense qu'elle était quand même très dépressive. Elle était bipolaire, je pense. Hein. Mais ça, encore une fois, c'est moi qui le dis. Hein. Juste parce qu'il y a pas mal de gens dans la classroom qui ne font que écrire Brownie à la place du nom de la sœur de Marie. C'est quoi exactement comment ça s'appelle? Alors, ça s'appelle Bronia. Ah oui, ben bon, oui. Bon, ben, bon, ça ressemble. D'accord. J'évite de regarder la chatroom parce que je pense que ça va me perturber, je pense. Alors, à l'époque, donc, sa sœur la presse de venir la rejoindre. Et Mania, elle accuse le manque de chance, elle se plaint d'injustice. Donc, on voit qu'elle ne va pas bien. Ça ne lui ressemble pas du tout, quand même, d'être un peu abattue comme ça. Mais quand même, au fond, elle est battante. Donc, elle est bien vivante au fond d'elle. Et finalement, son ex-fiancé, Casimir, il fait tellement de choses qui la découragent qu'au contraire, ça la motive et elle décide de partir. Elle décide de partir, elle va rejoindre sa sœur. Sa sœur qui est enceinte à Paris. Et ça y est, donc le voyage, on imagine l'époque pas simple. On expédie des matelas, des malles, on prévoit quelques victuailles et puis Marie prend le train. Et donc elle débarque à Paris en novembre 1891. 3 jours de train. Elle a 24 ans et elle s'installe chez sa sœur qui est donc maintenant médecin. Mariée, elle aussi, mariée aussi à un médecin. À noter que son mari, donc le beau-frère de Marie, est quelqu'un de très très brillant, mais qui n'obtiendra jamais la nationalité française parce qu'il a été fiché au ministère des Affaires étrangères, parce qu'il était soupçonné par les autorités russes, d'avoir participé à un complot contre Alexandre II. Donc ça donne, c'est juste pour donner une image un peu de l'ambiance, en fait, de l'atmosphère autour de Marie à cette époque. Et c'est l'époque où Maria s'appelle désormais officiellement Marie. Et donc, dès son arrivée, la première chose qu'elle fait, c'est de s'inscrire à la Sorbonne. Elle s'inscrit à la Sorbonne et elle est incapable de faire du ménage, elle ne sait pas cuisiner, mais ça, la Sorbonne, ça va bien. Il se trouve que la Sorbonne vient d'être rénovée. Et d'emblée, Marie, elle adore les cours, le style de l'enseignement qui apparemment visait à l'époque à vraiment éveiller la curiosité. Et ça, elle adore. Donc, à l'époque, il y avait quand même que 23 femmes sur 2000 étudiants en sciences. C'est quand même remarquable. Mais bref, Marie travaille dur. Et en fait, elle est elle-même surprise. Ses connaissances, elles s'avèrent quand même lacunaires à l'époque. Ça la surprend beaucoup, mais à sa propre surprise. Et même son français, il n'est pas si bon finalement. C'est un peu difficile. Et du coup, elle rentre dans une existence absolument spartiate. Elle travaille encore et elle travaille toujours.
Là, il n'y a plus de place pour les distractions, les amis, les balles, tout ça. Il n'y a plus. Les gens qu'elle fréquente, ce sont tous des scientifiques. Et puis, elle décide même de quitter la maison de sa sœur, parce que sa sœur, elle est beaucoup plus sociable, j'allais dire, et elle accueille beaucoup de gens avec son mari, notamment beaucoup de Polonais, des directeurs de recherche, des premiers ministres, des pianistes, un futur président de la Pologne. Donc, beaucoup de gens, et elle supporte plus ces distractions à la maison. Et en plus, Bronia la force à manger, et elle n'aime pas ça. Et Bronia la force à avoir une vie régulière, des horaires réguliers, et sa mari, elle n'y arrive pas non plus. Donc, elle en a ras-le-bol. Et donc, elle déménage, et elle emménage près de la Sorbonne. Mais néanmoins, elle est dans une excellente relation avec sa sœur, qui va l'aider financièrement. Et l'anecdote, c'est qu'à l'époque, Marie donc, se nourrit très mal, par exemple. Et on raconte qu'à l'époque, elle ne buvait que du thé, elle mangeait du pain beurré et des légumes. Voilà, c'était son menu. Alors, elle n'ose pas le dire à son père, mais elle passe, à l'époque, des licences en maths et en physique. Alors, on pense qu'elle n'a pas osé le dire à son père parce qu'elle avait peut-être peur de l'attrister, en fait, parce qu'il était convenu quand même au départ qu'elle rentrerait en Pologne pour être enseignante. Et le fait qu'elle se lance comme ça dans de grandes études, peut-être qu'elle n'ose pas, encore une fois, faire de la peine à son papa. Alors, elle décroche sa maîtrise de physique, donc majeure de promo, évidemment. Par contre, elle sera que deuxième pour celle de maths. Et là, elle obtient... La question dans la chatroom, c'est est-ce que c'est courant de passer des licences? Bah, déjà, je pense que c'était assez rare à l'époque des femmes à la Sorbonne, mais en plus, est-ce que c'est courant de passer plusieurs licences en même temps? Eh bien, je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais D'accord. pas du tout. Ça a l'air déjà impressionnant quand même. Oui, oui. Alors, apparemment, elle ne les a pas fait toutes en même temps, mais ouais. Oui, je sais pas. Et moi, je complétais même en disant, est-ce que c'est courant pour les femmes de faire autant de licences, voire même en faire une, ou pas spécialement, je sais pas, parce que tu avais l'air de dire que c'était quand même assez bloqué à l'époque. Et là, tu disais des licences comme si c'était naturel. Ben non, en fait, non, c'est ça qui est incroyable, c'est que non seulement il y avait pas beaucoup de femmes, mais en plus, aligner comme ça les diplômes, je pense que ça devait être encore plus rare, ouais. Donc elle obtient quand même une bourse conséquente et qui va lui permettre d'étudier pendant un an et demi. Donc ça va beaucoup l'aider. Et il est à noter que cette somme d'argent, elle va la rembourser intégralement plus tard. Elle était tellement reconnaissante et désireuse d'aider les autres qu'elle a décidé de tout rembourser en fait. Et puis, à cette époque, un soir, elle est invitée par une connaissance à une soirée. Et cette connaissance, c'était quelqu'un qui avait quand même le but avoué de lui faire rencontrer Pierre Curie. Pierre Curie, qui était chef de travaux à l'école de physique et de chimie industrielle. Mais le but avoué, ce n'était pas du tout ce que vous croyez. C'était pour qu'il lui donne des conseils sur sa carrière à elle. C'est marrant qu'elle rencontre quelqu'un qui a le même nom qu'elle. Je me tais. Qu'il est con, mais qu'il est con. Oui, c'est quand même bizarre, hein. On l'a dit, son nom de famille, à la base ? Oui, oui, oui. Je l'ai très mal dit, mais son nom de famille, c'est Maria. Attends que je retourne là-bas. Attends, mais s'il y a un Polonais dans la chatroom, ils vont m'égorger. Maria... Moi, j'ai des origines polonaises, donc je peux t'égorger. C'est... Mais ouais, peut-être que je l'ai pas dit, finalement. Je suis désolée. Non, mais oui, son nom de famille, c'est Slavoska ou Slavoska, en fait. Quelque chose comme ça. Si tu me l'écris quelque part, je peux peut-être... Attends, je vais peut-être chercher. Oui, je suis sûre que tu vas le trouver. Mais oui, en fait, je suis désolée, je l'ai pas dit. Et c'est vrai que je parle de Marie Curie depuis le début. C'est grotesque. Hein. Oui, c'est bien de le ah ouais. remarquer, effectivement. Alors, c'est Skłodowska. Voilà. Merci. Donc Marie, qui n'est pas Curie encore à l'époque, rencontre Pierre. Donc en fait, je disais donc que le but avoué de cette rencontre organisée, c'était parce que Marie se posait quand même beaucoup de questions sur ce qu'elle allait faire dans la vie. Et il se trouve que Pierre, étant quelqu'un de bien connu à l'époque, la personne en question, qui était une amie de Marie, lui a dit « rencontre Pierre, on ne sait jamais, il peut te donner des conseils ». Et il se trouve que Pierre Curie, c'était un très bel homme de 35 ans, quelqu'un de très posé, de très calme, de très réfléchi.
une anecdote, il vivait encore chez ses parents à l'époque. Et en fait, d'emblée, Pierre et Marie, ils sympathisent. Ils se voient souvent, ils se fréquentent de plus en plus, mais c'est encore très amical. Mais ils font beaucoup de promenades à la campagne et évidemment, ils parlent beaucoup de physique et de chimie. Mais tout est encore que sur le plan, encore une fois, amical. Et à la fin de sa licence de maths, en 1894, Marie rentre chez elle en Pologne. Elle pense que sa place est là-bas avec son papa qui vieillit. Et elle veut vraiment aider son pays. Elle veut participer, elle veut faire quelque chose. Hélas, Pierre, lui, est en train de se mourir d'amour en France. Et du coup, là, il se fait de plus en plus pressant. Il veut absolument... Ça te fait marrer, attends, mais c'est n'importe quoi. De quoi ? Mais tu dis, il se meurt d'amour et tu rigoles, mais c'est terrible. Mais oui, non, c'est vrai. Je suis désolée. Oui, non, non, mais c'est vrai que bon, c'est pas rigolo du tout. Le pauvre Pierre, il est désespéré. Et du coup, il se fait vraiment de plus en plus pressant dans ses lettres. Il essaie de trouver toutes sortes de raisons pour la convaincre de revenir. Et elle, au début, elle hésite. Elle considère qu'elle a un rôle plus noble dans la vie que d'être égoïste. Et elle trouve que Pierre, il pense trop à lui. Mais bon, finalement, il trouve les bons mots, les bons arguments et elle revient. Elle revient pour la rentrée, ouf. Et là, d'emblée, il faut bien le dire, leur relation évolue et ce n'est plus seulement d'amitié dont il s'agit, mais bien d'amour. Pierre, il a dû faire appel à Bronia, il a dû faire appel à sa propre mère, en fait, pour qu'elle arrive à convaincre Marie. Marie s'entendait très, très bien avec les parents de Pierre. Il lui promet même de s'installer en Pologne avec elle. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, il était vraiment très, très, très amoureux d'elle. Et puis, ce qui vraiment a beaucoup aidé, c'est que le père de Marie a très bien compris et il a envoyé sa bénédiction à sa fille et Marie a été très soulagée. Et le père de Marie viendra à leur mariage, en fait. Donc, tout est bien qui finit bien, ce côté-là. C'était un mariage sans cérémonie religieuse. Pierre n'était pas un croyant. Et puis, Marie, elle avait perdu sa foi quelque part, après le décès de sa mère et de sa sœur. Alors, j'aimerais bien... énoncer une petite phrase de Pierre parce que ça donne un peu une idée de l'homme. Il y a eu donc le président de la République de l'époque, monsieur Émile Loubet, qui est venu visiter le labo de Pierre Curie. Et voilà ce que Pierre lui dit. Monsieur le président, ce laboratoire est étroit, pauvre, ouvert à tous les vents. Il y en a bien d'autres à peu près dans le même cas. Puisque votre gouvernement doit désaffecter les églises, on ne saurait mieux faire en un siècle scientifique que de les transformer en laboratoire. Un petit morceau de Notre-Dame suffirait. J'ai trouvé ça très grand, en fait, très beau, hein, de demander au président de la République de changer l'église Notre-Dame en laboratoire de recherche. Je trouve que c'est très osé et c'était bien dit, je trouvais. Ça n'a pas marché, donc. Eh bien non, ça n'a pas marché, apparemment. Alors, le mariage, encore une fois, pas d'anneaux, pas de belles robes, mais ils ont fait un voyage de noces en vélo. Ils aimaient beaucoup faire du vélo. Et ils s'installent dans un appartement dans le 13e, un appartement de trois pièces. Et on a gardé les cahiers de Marie. Elle était incroyablement détaillée. Elle notait les moindres petites dépenses dans des cahiers. Tout était noté et répertorié, les moindres et classé, en fait. Tout, absolument tout est consigné. Elle va même essayer de faire de la cuisine en se disant qu'au fond, c'est de la chimie, mais bon, ça n'a pas trop, trop marché quand même. D'ailleurs, Madame Curie mère, quand on dit, était là pour les aider côté cuisine, heureusement. Et encore une fois, c'est vrai que les parents de Pierre aimaient beaucoup Marie, hein, et le jeune couple passait beaucoup de temps chez eux, en fait. Hein. Alors Pierre Curie, c'était quelqu'un qui n'était absolument pas ambitieux et c'est vraiment Marie qui va le pousser à finir sa thèse, en fait. Il n'avait pas fini sa thèse de physique, en fait. Il a vraiment que faire des diplômes et elle va le pousser à devenir professeur aussi et ça va bien les aider financièrement. Ils s'en sortent un peu mieux. Et à l'époque, vraiment, c'est touchant de voir comment c'était des gens qui sortaient peu, mais ils passaient tout leur temps ensemble. Ils adorent la nature, ils font régulièrement des virées en vélo. C'est un couple vraiment très soudé.
En 1896, Marie est reçue première à l'agrégation de physique. Et une autre petite anecdote que j'ai trouvée touchante, elle avait un collègue à l'époque qui l'a rabrouée un petit peu en lui disant que quand même elle pourrait être un peu plus coquette juste pour plaire à Pierre, parce qu'à l'époque elle portait toujours des robes en gros coton gris peu élégantes, et c'était pas, pour une femme c'était quand même un peu au-delà des limites quand même, et donc et elle y sera sensible apparemment, elle fera un peu plus attention ensuite. En 1897, elle est enceinte de leur première fille, qui s'appellera Irène. Elle a une grossesse fatigante, mais elle ne s'arrêtera jamais de travailler, ni avant, ni après l'accouchement. Elle a quand même besoin d'aide, parce qu'elle n'a pas assez de lait pour allaiter, donc ils vont devoir embaucher une nourrice. Et Marie va consigner pendant 15 ans des notes sur ses deux enfants, tous les jours en fait. Et Irène aura 3 mois quand Marie va publier son premier livre, donc « Propriété magnétique des aciers trempés ». Donc on voit qu'elle elle travaille dur, vraiment dur. Cette année-là, en 1897, sa sœur Bronia et sa famille décident de rentrer en Pologne. Ça, c'est un coup dur pour Marie. Bronia et son mari vont fonder des sanatoriums pour traiter la tuberculose, et ça, c'est difficile. D'abord parce qu'elle est vraiment très, très proche de sa sœur. Et puis aussi parce que son rêve à elle, Marie, c'est quand même, ça a toujours été de servir sa patrie. C'est un rêve qui est toujours là. Et puis, elle a choisi de vivre ailleurs qu'en Pologne. Et au fond, ça, c'est triste pour elle. Mais bon, la vie continue. En 1900, Marie devient chargée de cours à l'ENS de Sèvres, et c'est la première femme à y enseigner. Elle est alors proche de ses élèves qui l'apprécient, on s'en sera douté. Elle peut être froide et sévère, mais n'empêche que ses élèves, on a des traces écrites qui montrent que vraiment elle était appréciée. Elle va commencer une thèse sur des rayons qui sont émis par l'urane, donc des rayons proches des rayons X. Et elle va essayer de comprendre ces émissions qui, on le sait déjà à l'époque, peuvent révéler la structure d'objets placés sur une plaque photo. Et alors, c'est quoi l'urane ? Je pense que c'est un composé chimique proche de l'uranium, j'imagine. Mais je ne sais pas. Okay, un chimiste, je suis sûre qu'il y a des chimistes dans la chatroom. Donc, elle a entamé ses travaux en 1897, donc 2 mois après la naissance de leur première fille. Et Pierre, évidemment, s'intéresse de très près à ses travaux lui aussi. Il y participe, mais du point de vue du physiciste. Donc, je ne vais pas rentrer dans la description de leurs recherches. C'est très... vous les trouvez partout, hein, vraiment. C'est très facile à trouver. Ce que je voulais décrire, par contre, c'est même, ça me paraît même difficile de le décrire rapidement, mais c'est l'ampleur de la tâche à laquelle Marie s'est acharnée à l'époque. Parce que si Pierre, lui, s'intéresse à l'aspect physique des radiations, qui est quand même assez un aspect théorique, elle, Marie, en bonne chimiste, ce qu'elle veut, c'est vraiment purifier les éléments qui émettent ces radiations. Et là, c'est incroyable. Donc, à l'époque, le labo, c'est un hangar, c'est un vieux garage désaffecté, que d'ailleurs certains ont décrit comme une écurie. Et là, elle se met à transférer à la main des kilos et des kilos de minerais, des déchets qui proviennent d'une mine, d'une mine en Pologne, en fait. Et donc, ces déchets qui s'appellent la pêche blande, hein, c'est la matière première. Elle va commencer à laver, purifier, chauffer, brasser, tout ça. Elle va transvaser 70 000 kilos de minerais quand même, toute seule, dans des bassines. Elle va brasser à haute température, elle va traiter tout ça. Il lui aura fallu 2 à 3 ans, selon les sources, donc un travail physique herculéen. Et elle trimballe ses bassines 20 kilos après 20 kilos. Et finalement, après, on va dire 2 ans, elle va obtenir 0,1 grammes d'uranium pur. Donc 70 000 kilos de pêche blende pour 0,1 gramme d'uranium, l'équivalent donc d'une pincée de sel, quoi. Alors pour info, c'est de l'oxyde d'uranium, c'est du dioxyde d'uranium, la pitch blende. Ouais. Et du coup, c'est un minerai.
D'accord, voilà. Ouais. Ce que tu disais, en fait, l'urane, oui, c'est de l'oxyde d'uranium. Ah, d'accord. OK, d'accord. Voilà, donc ça, je pense que ça donne une bonne idée aussi du personnage. Hein. Au passage, donc là, c'est quand même un thème récurrent chez moi, mais je suis un peu féministe, mais c'est vrai que Pierre ne faisait absolument rien à la maison. Le couple manquait d'argent. Et Marie, elle menait plusieurs emplois aussi pour faire rentrer un peu d'argent. Elle faisait toujours un petit peu d'enseignement. Elle a une grossesse difficile, elle était très nauséeuse. Et en fait, s'occuper d'un nouveau-né, pour elle, ça a été une charge de travail supplémentaire, mais pas pour lui, en fait. Même si c'était un homme remarquable, c'était quand même elle qui avait le poids de s'occuper du ménage. Heureusement, quand même, il faut bien le dire, leur beau-père, le beau-père de Marie, c'est-à-dire le père de Pierre Curie, est venu aider Marie après le décès de sa propre femme, en fait. Et ça a beaucoup aidé Marie. C'était un homme aussi, on en parle, un tout petit peu remarquable. Et cela a vraiment beaucoup aidé Marie. Hein. Elle a pu ainsi ménager sa carrière. Et elle voulait quand même pas... Elle avait du mal à faire un compromis, en fait. Donc, elle était quand même une mère très attentive. Elle voulait faire ses confitures à la maison. Et c'était beaucoup, je trouve. Et voilà. Et quand même, ben, à la fin de ces 2-3 ans, elle a réussi à purifier ce composé. Et il y a beaucoup de descriptions de l'ambiance dans le labo où il y avait beaucoup de fioles avec ces composés, dont certains intermédiaires qui étaient luminescents. L'uranium, c'est luminescent. Et en fait, le couple Pierre et Marie, ils adoraient avoir ces fioles luminescentes dans leur labo. Et ils étaient absolument enchantés de voir cette douce couleur irradiante dans leur labo délabré. Voilà, alors on va en rester là pour aujourd'hui, en fait. Je vous promets que si cette première partie vous a intéressé, la suite est encore peut-être plus intéressante. Il va se passer encore beaucoup de choses dans la vie de Marie Curie. Et j'espère que vous serez là pour écouter la continuation. Ouais, bah écoute, c'est assez passionnant, quoi. Vas-y, Pierre. Non, je sollicitais la chatroom pour poser des questions à Irène sur cette première partie. Il y a eu pas mal de remarques dans la chatroom, c'est assez rigolo parce que pour une fois, ça papote beaucoup, mais ça écoute beaucoup aussi. C'est assez amusant de voir, c'est-à-dire que ça commente énormément ce qui se dit, alors que d'habitude, ça discute complètement avec la claque. Donc concrètement, la chatroom, tout le monde, on a tous compris que Pierre était plutôt un branleur, concrètement. Alors je tiens à dire que c'est un homonyme. Hein. Et que je n'ai pas choisi mon prénom. Oui, j'ai parlé de Pierre Curie. Et pour ton féminisme adoré, sache qu'à l'École Polytechnique Française, il y a un amphithéâtre Pierre Curie. Il fallait quand même la faire. C'est ni Marie Curie, ni Pierre et Marie Curie, c'est Pierre Curie. Ah, pétard. Quand je l'ai vu, ça m'a fait halluciner. Donc il y a ça qui a fait pas mal réagir. Sinon, tout le monde hallucine un peu sur Marie Curie, quoi, sur son côté rockstar, ouais. Son côté étude. Elle est impressionnante, là, déjà, de ce que tu racontes, quoi. C'est vrai que moi, je connaissais en gros les grandes lignes de sa vie. Pierre Curie, ses prix Nobel, la découverte de l'uranium. Mais quand on lit un peu plus en détail, mais c'est incroyable. Et je vous promets que la suite, elle est époustouflante. Et alors, aussi. Justement, tu nous fais un petit pitch de la semaine prochaine? Alors, un petit pitch, oui, je veux pas trop en dévoiler non plus, mais c'est vrai que on va parler qu'est-ce qui va se passer pendant la guerre, qu'est-ce qu'elle va faire pendant la guerre, qui est incroyable. J'imagine que vous connaissez tous l'histoire, et si vous connaissez pas, tant pis pour vous, mais je vais le dire, des petites Curies. Si vous ne connaissez pas, allez voir, mais j'en parlerai. Je vais parler de la mort de Pierre, évidemment, et du scandale, de la honte que peut avoir la France, de l'attitude de la France lorsqu'elle a eu une relation amoureuse avec Paul Langevin. Donc, pour tout ça, venez nous écouter la semaine prochaine. On continuera cet hommage qui, je l'ai déjà dit, et c'est vrai que honnêtement, je le ressens très profondément. Pour moi, c'est vraiment un peu émouvant et vraiment un grand bonheur de parler d'elle, parce que c'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Ok, impatient d'en avoir plus, là. Je crois qu'on n'avait pas de questions particulières d'auditeurs, à moins que tu en aies relevé, Pierre. Pas vu, non. Je regarde juste dans le truc question.
On avait une question qui était quasiment plus une remarque. C'était, j'arrive pas à prononcer son pseudo, mais on avait un auditeur qui disait que, il se demandait s'il fallait avoir une vie de merde, de pas savoir cuisiner et tout pour devenir célèbre, parce que c'est vrai que c'était, enfin, tout le début de sa vie, c'était pas facile, quoi. Mais bon, c'était plus une remarque générale. C'est-à-dire, en fait, c'est intéressant en ce sens que parfois, les enfants trop gâtés n'ont pas le sens du boulot, en fait. Et parfois, quand on a une enfance difficile, ça motive, en fait. Et je pense que ça a été aussi une partie de la vie de Marie Curie. Je pense qu'elle a eu une enfance difficile en ce sens que son pays était opprimé par la Russie. Et je pense que ce n'était pas facile. Mais en même temps, elle a eu un support mais merveilleux de sa famille. Et je crois que ça l'a sauvé, en fait. Je vais lire le commentaire de Krakoukas parce que je me suis fait engueuler comme quoi il n'avait pas dit vie de merde. Il a dit « Est-ce qu'il faut avoir un dessin tragique, être nul en cuisine ou même les deux pour être dans l'histoire des sciences ?» Voilà. C'était mieux formulé. Ouais. J'ose espérer que non, mais et je pense que non d'ailleurs. Non, non, je pense pas non plus. Mais après avoir posé la question, il a repris et enfin oui. Il posait juste une question. C'était un peu une question rhétorique parce qu'il hallucinait un peu de tout ce que tu racontais, quoi. J'en profite juste pour placer le fait que, mais on en parlera probablement la semaine prochaine entre guillemets. Il y a un blog qui a rejoint le Café des Sciences il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les Petites Curies du Net. Je ne spoil pas, mais sur lequel justement il y a quelques informations sur ce fameux événement dans lequel était impliquée Marie Curie. Ok. Ah oui, ça peut être super intéressant. On passe à la côte. Tu nous as ramené une première côte pour cette première partie. Oui. Alors, elle a écrit des choses fantastiques, hein, Marie Curie. C'est-à-dire que tu conseilles les livres là, dont tu as parlé ou pas spécialement ? Oui, absolument. Absolument. D'accord. Elle écrivait très, très bien. Et oui, absolument. Beaucoup de lettres. On a beaucoup de lettres à ses filles et à ses sœurs. Alors, une quote, donc. Je pense qu'à chaque époque, on peut avoir une vie intéressante et utile. Ce qu'il faut, c'est ne pas la gâcher et pouvoir se dire « j'ai fait ce que j'ai pu ». C'est la seule chose capable de nous apporter un peu de bonheur. Voilà, je m'étais dit que aujourd'hui, je vous apporterai la recette du bonheur selon Marie Curie. C'est pas mal. C'est très très bien. Voilà. Je crois qu'on n'a pas de quiz, donc on va passer au plug. Au plug, en fait, j'ai un seul plug à faire, mais c'est une nouvelle personne qui papillonne autour du podcast. En fait, quand j'ai fait l'émission avec la tête au carré sur Godel, et il y a eu une personne qui a fait un mind map. La tronche en biais. La tronche en biais, la tête au carré, la tronche en biais. C'est n'importe quoi. Donc, quand j'ai fait l'émission live avec la tronche en biais sur Godel, l'émission où a aussi été Pierre deux semaines avant, il y a quelqu'un qui est venu faire un mind map. C'est ça, Pierre, qu'on appelle ça, en direct. Donc, pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de mind map, grosso modo, c'est une sorte de graphe où il y a des bulles avec des textes à l'intérieur et puis il y a des traits pour relier les liens logiques. Et ces personnes-là, donc c'est le compte Twitter Live Map et je crois qu'il y a un site web aussi. Je ne suis pas encore extrêmement renseigné. Live Mapping, et il y a un site web aussi. Ils font ça en direct et c'est assez amusant parce qu'ils arrivent à structurer tout ce que tu dis en direct sans que ce soit parfaitement structuré, etc. Et ça permet de lire d'une manière plus rapide ce qui est dit. Et donc voilà, c'est un petit plug pour eux. Ils sont en train d'en faire un là sur Marie Curie qui a bien bien commencé, qui là est plus accessible sur leur page juste actuellement, mais je suis sûr qu'il sera de nouveau accessible quand vous entendrez ça et puis dans les notes de l'émission. Et puis on en parle, on prend un peu de temps pour en parler parce que comme ils font ça en direct en parlant de l'émission, on aimerait bien que Live Mapping apparaisse dans le Live Mapping de l'émission, quoi. C'est des auditeurs qui ont demandé. Ouais. voilà. Du coup, merveilleux. Du coup, on conclut et on passe à la semaine prochaine. Oui, absolument. Enfin, on conclut, on passe pas à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est dans une semaine. À la DeLorean. c'est ça. Il n'y a que ça de vrai. Donc, et ben voilà, maintenant, vous connaissez le début de la vie de Marie Curie, sa rencontre avec Pierre qui se languissait d'amour loin d'elle, etc. Et voilà, bah en attendant la semaine prochaine d'en savoir plus sur, entre autres, ces affaires amoureuses qui se sont mal passées à Paris, c'est ça ? C'est triste, mais on va voir
Pierre va décéder. Ouais. Ah ouais, donc la suite et fin de l'histoire de Marie Curie la semaine prochaine. En attendant, diffuser la bonne parole sur l'Internet mondial. Donc vous pouvez le faire sur Facebook, SoundCloud, Twitter, sur podcastscience.fm. Envoyez-nous des messages toujours plus originaux. Et donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Marie Curie toujours. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Eh bien, les amis, nous sommes partis. J'adore ce jingle. Bon, je recommence du coup. Bande de cons. C'est serein. C'est zen. Hmm. Putain, mais arrêtez. On a jamais fait les débuts aussi scandaleux. Attends, je vais le faire. Pimpin. Bon allez, un peu de sérieux. Ah oui, c'est nettement mieux là. Mais laissez-moi parler, putain. C'est quoi ce scandale? T'as vu, ça a changé, Julie, depuis que t'es partie. Ouais, je vois, c'est un peu la même. Vous me laissez mettre cette putain d'intro? Jingle chips. Ah non, mais j'adore ce jingle chips. On est dans le yoga, on est dans le serein, on fait du zen. Qu'est-ce qui vous fait marrer en fait? C'est qu'on n'entend pas les jingles. Ah, mais c'est pour ça que vous râlez. Mais oui. Mais pourquoi vous me le dites pas? Mais on te le dit tout à l'heure. En fait, on pensait que tu les mettais pas. Mais moi, je pensais que tu te foutais de la gueule du jingle, en fait. D'accord. Non. Oui, au bout bon, de... Bon, alors le jingle, maintenant. Là, vous l'entendez.